Et salut tout le monde, c'est Anthony, et on se retrouve pour le 50e et dernier épisode de ce Let's Play sur Zelda Twilight Princess. J'espère que vous allez bien, moi je pète le feu. Et on se retrouve, alors sachez que c'est la deuxième fois que j'enregistre cet épisode. Le premier a eu quelques soucis, mais bon, et en plus j'étais accompagné de Fluonéon, ce qui fait que j'étais un peu embêté de devoir recommencer, mais bon. Malheureusement, j'ai pas eu trop le choix. Et donc, les amis, on se retrouve pour le boss final, le Grovilla Babo. Donc, vous avez pu voir en avant épisode. Enfin, bref, que j'ai fait le tour du château, en gros. Hein. Ouais, bon, j'ai récupéré 2-3 conneries qui vont me servir à rien. Mais bon, donc voilà, c'est tout. Sachez que je viens de le faire ça maintenant. Non, ça, j'avais pas fait la première. Bon, alors les amis, sachez aussi que au final je ne ferai pas les quêtes de Twilight Princess, oui je sais c'est arbitraire. Et surtout que on va enchaîner donc sur le prochain let's play peu de temps en fait après la sortie de cet épisode. Voilà. Alors ce que c'est comme jeu, vous le saurez bien assez tôt. Donc sur ce. Bienvenue à mon château. Ainsi c'est toi, Ganondorf? J'ai mouru d'envie de te rencontrer. Oser défier les déesses avec une magie aussi faible pour finir négligemment exilé. Pitoyable peuple que le tien. Mais vous m'avez bien servi. Vos souffrances ont nourri et ma chair et mon âme. Votre haine m'a sorti de ma torpeur et j'y ai puisé ma force. La seule chose qui manque à ton peuple, c'est la puissance. La puissance ultime qui habite les champions élus des déesses. Il serait plus que naturel que celui qui possède un tel pouvoir devienne le seigneur de ce monde, vous ne croyez pas? Quel orgueil! Si tu es vraiment un élu des déesses et détenteur du pouvoir ultime, cela me coûtera sans doute jusqu'à mon dernier souffle, mais je t'empêcherai d'arriver à tes fins. L'ombre qui s'apitoie sur le sort de la lumière. Quelle farce! Eh bien soit, rebelle-toi. Dresse-toi contre moi et lis ton destin à celui de ton ami. Vous qui osez vous dresser contre le roi de la lumière et de l'ombre.
Cette enveloppe corporelle me servira à vous faire comprendre ma puissance. Bien, alors les amis, c'est parti pour affronter Zelda possédée par Ganondorf. Et pour ça, nous allons sortir l'arme la plus puissante du jeu. La bouteille! Et oui les amis, en effet, la bouteille va être la meilleure arme face à ce boss. Non, franchement les amis, je déconne pas. Oh c'est facile. Voilà. Il faut juste faire des petites esquives sur les côtés les amis. Alors rien de bien plus compliqué. Elle a 3 attaques je crois. La boule, la charge et une troisième qu'elle devrait nous montrer. J'espère en tout cas. J'ai raté mon coup. Heureusement, je suis pas pris de patate, les amis. Oui, Link fait des trucs bizarres. Voilà, 2 fois. Il me semble que c'est que 3 fois. Je dis bien, il me semble, parce que je suis pas sûr. Vas-y, Ganondorf, rends-toi un mur. Tu sais pas conduire Zelda. Voilà, et troisième attaque, donc la Triforce. Enfin, Triangle Triforce. Ah, je suis loin, t'as le guac, hein. Bon d'accord, tu viens en mode speed, c'est cool. Allez, vas-y attaque-moi Ganon, montre-moi toute ta puissance. Non, cherche pas, je fais que des roulades, t'es un peu con. Toi. Wow. Ah j'ai senti la manette vibrer, genre toi tu vas te prendre un coup, et ben non, raté. Allez. Ah c'est bon. Enfin, c'est ce qu'on appelle jouer au baseball, les amis. je crois que j'ai mis au jus. Bah oui, j'ai mis au jus. Maintenant, il est au courant que je suis plus fort que lui. Remarquez, c'est la seule fois de votre vie où vous pourrez voir Ganondorf avec des seins. Genre là, genre Zelda Zelda, oui bien sûr, Link et Midna qui se lancent un coup d'heure, genre, hé, on a bien géré la première forme, hein. Ah, la suivante. D'ailleurs, remarquez que Midna était complètement KO à l'autre bout de la salle. Hein. Je dis ça, je dis rien. Alors là, il y a 2 manières de battre le boss, je vous explique. Soit on le fait à l'arc, mais au bout d'un moment, il pète un câble, soit on le fait en forme de loup. Là, en l'occurrence, on va commencer avec l'arc. Parce que la dernière fois, là, quand j'avais filmé, j'avais touché en loup, puis je me dis que là... J'ai envie de changer un peu, hein. Voilà, parce que je vous rappelle qu'il y a aussi l'assistante qui regarde à côté. Aïe. Bon, évidemment, si je veux prendre des coups si facilement. Là, faut trouver les portails, oui. Les portails, là. Aïe. Oui, je m'en fous, j'ai eu. Voilà. Ah, t'as pris cher, hein, mon gras. Mon gras. Ouais, t'es un gras. Ah, portail. Ouais, ce foutre là. Ah, bah, j'ai bien fait. Hé, hey, je vois ta queue. Aïe, je me suis pris au portail. Aïe, évidemment qu'on voulait que j'esquive là. Alors. Voilà. Allez. Ah, c'est bon. Alors là, c'est le moment où faut se foutre obligatoirement en loup.
pensais pas que ça arriverait si vite. Et où qu'il est passé? Là-bas. Alors, vous voyez, il y a les portails qui se déplacent. Là-bas. Là. Là. Allez, là-bas. Allez, vas-y. Non, encore là. Ah, là, faut pas bouger. Faut attendre. Et appuie sur A au bon moment. Ensuite, on bande. Je choisis un côté. Je choisis côté gauche. Toujours, on a comme c'est l'habitude. Hop là. Et donc là, ensuite, on appuie sur A. On vise, on attaque. Et puis on. Blablabla. Voilà. Rien de bien compliqué, ce boss. Ouh, des flèches. Là, par contre, j'ai fan. Ah, si je me fous là, est-ce que ça glitch? Oh! Ah! Wow. Alors là, il se passe des trucs bizarres. Là, j'avais en visée, mais Link a décidé d'arrêter de viser. J'ai eu au réflexe. Wouhou! Hop là. Par contre, j'ai perdu un peu beaucoup de vie, mais bon, c'est pas grave, l'essentiel c'est de progresser. Pouf, fini. Oui, les amis, je rêve du micro en plein milieu de l'épisode final. Il serait temps, hein. Donc là, on est face à un gros sanglier, je crois qu'Obélix sera content. Quoique, vu l'aura qui dégage, faudrait peut-être pas s'en approcher, hein. Il a l'air de puer grave. Donc là, elle rend sa puissance vitale à Zelda. Il serait peut-être temps d'ailleurs. Alors j'ai décidé que je ferais plus la voix de Zelda. Donc là vous devez vous l'imaginer, je suis désolé les amis. Parce qu'en fait quand j'ai tourné la première fois le dernier épisode, j'ai foiré la voix de Zelda, donc je préfère ne pas réitérer l'expérience. Alors c'est là qu'on dit à Link, sors tous tes flacons, on l'enferme dedans. Non? À mon avis, il n'est pas content. Je suis sûr que Midona va lui faire un plaisir d'éclaircir la situation. Bah oui, éclaircir. Elle est lumineuse. Ce qui veut pas dire qu'elle sait que c'est une lumière. Je hais ma vie. Donc nous avons été visiblement téléportés sur les plaines d'Hyrule, les amis, pardon. Et là, on vient de voir le château d'Hyrule lâcher un gaz. Ce qui est quand même relativement... Oh, canon. Ça m'étonne pas, à chaque fois que ça pue, il est pas loin. Pardon. Ah tiens, mais il a un truc en main. Ah ouais, c'est le casque de Mido. Wait, what? Ok. Ah, ça c'est pas cool, tu vois. Pour le coup, je vais te tuer. Je vais te regarder faire, en fait. Voilà, t'approches pas. Reste loin avec tes copains.
Oh putain, l'esquive de fou. Je sais pas si vous venez de voir ce qui vient de se passer, les amis, mais c'était un truc de psychopathe. Donc les amis, je tiens à signaler que nous venons de voir les flèches de lumière. Non, en principe, les flèches de lumière, quand même, on les récupère sacrément plus tôt dans l'aventure. Ce que je veux dire, c'est que là, on les récupère vraiment que face pour le boss final. Alors que dans tout plein d'autres Zelda, on les récupère bien avant. Enfin, au moins dans le donjon juste avant, quoi. Pour pouvoir les utiliser contre différents ennemis, pour pouvoir se la péter. Vous voyez, genre, haha, toi t'es une sale gueule, pouf, one shot. Je sais pas, puis là, vraiment, au tout dernier moment. Allez, et là, les amis. Voilà, donc elle peut immobiliser Ganondorf avec ses flèches de lumière. Tu vises tout en nous maintenant à portée de l'arc, je m'occupe du reste. Et là les amis, on va toucher le gros problème de ce jeu. Zelda est conne comme mes pieds. Bon, et moi je prends des dégâts que j'ai pas lieu de prendre. Non, ça sert à rien d'épuiser toutes les accélérations. Voilà, et ça c'est le gros problème. On se prend tout le temps des patates de partout. Ah oui, oh, je vais vous montrer un truc sympa. Aïe, voilà. Alors, on va essayer de le faire. J'avais réussi la dernière fois. Là il veut pas. Bon, la dernière fois j'avais réussi à foutre Ganondorf juste à côté de Zelda. Et devinez ce qu'elle a fait cette cruche. Vous devinez pas? Bah elle a rien fait, rien du tout. Oui bien sûr. Si tu me laisses arriver à Epona, ce serait gentil. Merci. Voilà. Alors. Je ne le vois pas. Alors. Sa seule attaque là, Ganondorf, c'est d'invoquer sa putain de cavalerie. Pfff. En plus il me fout des feintes. Là il est à droite. Non. Aïe. Voilà, donc ça franchement c'est la partie la plus chiante du jeu tout simplement parce qu'en fait c'est totalement aléatoire. De temps en temps Zelda arrive à toucher. Oh, ah oui, alors ce que je vous ai pas dit c'est qu'en plus il faut viser Ganondorf pour qu'elle tire. Mais qu'en plus il y a des chances que cette espèce de grosse cruche rate. Ce que je veux dire par rater, c'est que tout simplement elle foire son attaque. Bien sûr. Alors je sais pas si vous avez vu, mais j'ai foutu quelques patates et ça a traversé Ganondorf. Donc, tout simplement parce que Ganondorf ne peut pas être touché sur le... Voilà. Et je ne peux pas, je peux à peine monter à cheval avant de me faire foutre. Voilà. Et c'est franchement la partie la plus chiante. Voilà. 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 Donc ça c'est parti. On est parti en mode poursuite. Et là regardez, voilà. Et elle rate. Le problème, c'est que Zelda est trop conne et qu'elle le vise, elle rate pardon tout le temps. Voilà, il est là-bas. On vient de se traverser d'une violence absolument incroyable. Je peux oublier, il est là-bas. Il est parti, ah c'est bon. Voilà. C'est pas très très compliqué d'esquiver quand on les voit arriver.
Le problème c'est qu'on les voit pas tout le temps arriver. Par exemple, au bout d'un moment, Gandalf va en avoir marre de se faire tirer dessus par Zelda, donc il va vraiment les faire spawner mais juste devant nous. Regardez ça, comment elle a pu le rater là. Franchement, il a pas bougé. C'est incroyable, vraiment. Cette partie du jeu tient de la chance, mais vraiment. Voilà, vous allez dire, mais non, mais si, regarde bien, parce que Gandalf il tourne juste avant. Non, même pas. Et là, elle a, regardez, là, elle a réussi à le toucher, alors qu'il était en plein virage. Là, je veux bien qu'elle arrive pas à toucher. Par contre, essayez, bouge un peu. Voilà. Oh là par contre je sais pas comment on fait, on est en train de l'enchaîner. Écoutez. J'ai complètement chié mon coup. Je reconnais que c'est de ma faute là. Allez, voilà, c'est bon. Bon, nous avons fini avec la troisième forme de Ganondorf. Visiblement, même ses courriers de cheval, ça suffit pas pour le tuer. En même temps, je tiens à dire que juste avant, il s'est pris. Tu es adroit, mais ce ne sera pas suffisant. Il est temps d'assouvir ce désir qui brûle en moi. Utilisez cette épée odieuse qui a mordu ma chair pour enfuir à jamais la lumière sous les ténèbres. Oui, je me souviens de ce qu'avait écrit. Hop, la barrière qui évidemment enferme Link et Ganon. Et là, c'est le combat qui nécessite énormément de technique, qui nécessite des heures et des heures d'entraînement, les amis. Tout ça que je vais gâcher simplement avec l'arc. Voilà, allez, c'est parti. Et hop là, regardez, Gandalf regarde Hamson comme un crétin. Et on n'a plus qu'à le taper. C'est ridicule, regardez. Hop, regardez, il regarde Hamson et on le frappe. Regardez, c'est... Voilà. Voilà. Donc voilà, les amis, je vous présente le combat final. Voilà. Voilà. Bon, sinon, les amis, est-ce que vous allez bien? Moi, écoutez, je pète le feu. Je suis heureux de pouvoir vous montrer tout ce que je sais sur ce combat final. Hop. Allez, mais frappe. Hop là. Bon, allez. Allez. Hop là, et donc je vous montre quand même. Normalement, voilà, ça c'est le plus simple. Enfin, la deuxième technique la plus simple pour le battre, c'est tout simplement marteler le bouton. Ah oui, j'arrive à le faire tout en parlant parce qu'en fait, la dernière fois, lors du précédent truc, je faisais que ça et je me failais assez souvent. Oui, bon, par contre, ouais, faut pas non plus pas agacer, voilà. Voilà, bon, on l'a déjà foutu. Enfin, vous voyez, il s'est déjà foutu à coupie deux fois. Voilà. Donc là on recommence. Est-ce que quelqu'un va pu m'aider dans l'assistance? Non, appuyez sur le bouton A, ah, non. Bon, d'accord. Oh, entendez la manette vibrer, Zania. Ah, vous entendez ce bruit? C'est un truc de fou, hein. Ah, regardez comment il galère, Gandalf. Allez, c'est parti, on l'achève. Attendez. Technique du double doigt. Voilà. Et là, je peux l'achever. J'ai décidé que le combat final n'avait pas duré assez longtemps encore. Relève-toi! Ah, vous remarquerez aussi que mon épée s'est éclairée en fait quand il a voulu me foncer dessus. J'avais pas remarqué. Allez. Mais regardez comment il est adroit quand même. Je vais essayer de vous montrer un petit peu le combat final parce que c'est vrai que c'est un véritable combat bien dur et tout. Hein. Je vais essayer de vous montrer un petit peu de manière légitime comment on l'affronte.
Allez, hop. Mais bon. Allez. Ouais, il a le contre brise-casque lui, hein. Attends, brise-casque, hein. Pfff, t'as visé à côté, Ganon. Allez. On va essayer l'objet à attaquer et on l'achève. Cette fois-ci, c'est la bonne, les amis. Allez, tac, 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 tac. Je pense que je vous ai montré qu'un sacré un petit panel de ses attaques, hein, on est d'accord. Je pense que j'en ai montré assez. Et donc là, les amis. Alors ça peut paraître con, mais ça m'a toujours fait rire parce que. La tronche qu'a Ganon face à moi, ce cri tout pourri qui nous pousse, mais ça... Ah, putain, mais c'est censé être un seigneur du mal, quoi. Je comprends même pas comment ça, ceci n'est pas devenu la même, quoi. Ne pense pas que tout se finisse ici et maintenant. Vois cela comme le début de l'histoire de la lumière et des ténèbres. Une histoire écrite dans le sang. Eh oui, mon gars, t'as perdu ta Triforce. Enfin, ton fragment. Ton tiers. Ton bout. Ton pouvoir, tout simplement. Coucou, Xanto. Wait, t'es pas mort, toi? Et voilà, il vient d'achever Ganondorf. Bon, bah écoutez, on va pas s'en plaindre. Et... Mais par contre, je comprends pas ce que Xanto fout là. Je vois pas pourquoi c'est lui. Je sais pas, il a rien branlé de tout le combat. Il aurait pu m'aider plus tôt. Je sais pas. Et d'ailleurs, pourquoi Xanto on veut à Ganondorf? Ok, il a pas ressuscité Xanto. Il n'empêche. Il aurait pu. Enfin, il aurait pu ne... Enfin, Xanto aurait pu attendre, tout simplement, ou alors le tuer plus tard. Enfin, je sais pas pourquoi il le tue maintenant. Alors que Ganondorf allait de toute façon crever. Juste pour pas me laisser la satisfaction de l'achever, quoi. C'est vraiment qu'un gros connard. J'ai bien fait de le tuer. Je rappelle que mes vidéos sont interdites au moins de 16 ans. Qu'est-ce qu'il y a? Dis quelque chose. C'est ma beauté qui te laisse en voix? Oui, j'essaie de ne pas parler en même temps qu'elle, histoire que vous puissiez avoir les bruitages quand même. Et donc, les amis, nous avons terminé avec Zelda Twilight Princess. Oh là là. Alors, j'ai tellement de choses à dire, les amis. Bah, tout d'abord, évidemment, un grand merci à vous tous qui m'avez suivi, encouragé, aidé pendant cette aventure. Je remercie particulièrement quand même Samshi. Qui a été d'un très grand secours tout au long du let's play, de par ses conseils, qui étaient en principe très détaillés et tout à fait exacts.
Je tenais aussi à remercier tous ceux qui ont participé au Let's Play. Donc Studio Néon, qui normalement aurait dû participer encore aujourd'hui, mais bon, malheureusement, suite à un souci technique, ça a été tourné, mais que malheureusement il y a eu un problème. Je tenais aussi à remercier TGF qui avait participé. Je sais que j'oublie quelqu'un, c'est quelqu'un qui va sans doute m'assassiner, hein. Non, Super Brioche elle n'a pas participé à Zelda. Évidemment, mais je suis con. L'assistante? Et l'assistant? Évidemment qui était là à chaque épisode! Ah! Ah, me tuez pas! Non, j'ai pensé à eux, à peine m'insulter dans les commentaires. D'ailleurs, l'assistante vous dira peut-être un petit mot à la fin? Petit! Bon, d'accord, visiblement, non, l'assistante ne vous aime pas. Donc, je tenais aussi à remercier la guilde, qui est, comme vous le savez, une sorte, j'allais dire un rassemblement, non, mais on va dire une guilde, voilà, de youtubeurs. Il y a pas mal d'entraide, on discute de temps en temps. C'est franchement sympa et je tenais à remercier chaque membre, même si je ne veux pas m'amuser à faire une vidéo spéciale pour ça. Bref, oui, j'ai pas envie de m'amuser à dire tous les noms parce que sinon je vais en avoir pour des heures. Les amis, par rapport au prochain Let's Play, il devrait arriver sous peu. Sachez que ça va être un Let's Play très très long, mais vraiment très 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 long. Ça va être sur un jeu dont je ne vous ai pas encore parlé, un jeu en plus que je ne connais que poète. J'ai avancé relativement, enfin que jusqu'à la moitié du jeu. Encore, je suis pas sûr que c'était la moitié du jeu. Bref, voilà, donc en gros, on va découvrir pas mal de choses ensemble, les amis. Donc je vous encourage quand même vivement à y jeter un coup d'œil. Sachez que le prochain Zelda que je ferai sur la chaîne sera dans, malheureusement, très longtemps. Il s'agira de Wind Waker, je vous l'annonce d'ores et déjà, mais il sera fait, selon mes calculs, dans à peu près. Ah putain, ouais, ça fait longtemps, dans à peu près 8 mois, les amis. Si c'est ça. Bon, si je vous invite quand même, si vous voulez du Zelda, à jeter un coup d'œil à la chaîne d'Iryusa qui adore en faire. Iryusa qui est un très bon youtubeur que je salue au passage. Et donc, les amis, c'est là-dessus que je vais vous laisser. Je vous laisse la fin de la cinématique. Vraiment pas de petit mot pour la fin, assistante. Elle me regarde absolument pas, ça prouve à quel point elle vous dédaigne, les amis. Donc, les amis, à très bientôt. Et merci de m'avoir suivi.
which of you would you bet straddle? The world you love. Peace.